je serai le plus grand plombier de toute cette île. Nya! Salut tout le monde, c'est Lydia Gaming. Désolé pour cette entrée en scène un peu pourrie. Alors aujourd'hui, on se retrouve encore pour la cinquième fois sur Super Mario Sunshine pour faire le cinquième épisode. Et aujourd'hui, on va essayer de compléter la colline Bianco, ramasser tous les soleils, comme on a fait sur la gelato, les flobes. Comme vous pouvez voir, j'ai ramassé 8 soleils et deux autres soleils qui ont été cachés. On peut voir aussi, les classements aussi. Donc, vous voyez que j'ai, sur la gelato, les fleuves, j'ai ramassé au moins 10 soleils. Hein. Ouais. Car aujourd'hui, on va aller maintenant sur la colline Bianco compléter cette partie de l'île aussi. Et vous allez voir un truc que j'en ai pas mal avancé. J'ai ramassé pas mal de pièges bleus, donc je peux me faire 2 soleils de plus. Donc avant d'aller sur la colline Bianco, on va déjà se faire 2 soleils en poche. Voilà. On parle à cette dame. Je te souhaite la bienvenue. Je suppose que tu es là pour ça. Très bien. Il faut donc que tu me donnes 10 pièces bleues. Je peux te les échanger contre des soleils. Ok, d'accord. Tu peux t'en donner 2. Ouais. On dépense. Et on obtient 2 soleils. Ce qui nous fait 22. Continuez sans sauvegarder. Alors j'ai remarqué qu'il y avait, une espèce de lueur étrange qui vient d'apparaître, enfin une lumière étrange, mais c'est un téléporteur. Car je sais plus où est-ce que ça mène déjà, mais vu que ça fait depuis un peu un moment d'au moins 2 ans que j'avais plus joué à le jeu, que j'avais fini au moins 2 ans, 2 fois de suite il y a 2 ans, donc... Enfin bref, partons à la colline Bianco. Donc on est au deuxième épisode parce que j'avais fini déjà un épisode. Enfin, si vous regardez mes vidéos, ça veut dire que quand j'étais une fois à la colline Bianco, j'avais fini un épisode sur ça. Là, on va taper au deuxième épisode. Donc on est à la colline Bianco pour le deuxième épisode et on est maintenant à l'attaque de Flora Piranha. Piranha, ouais, c'est ça. Ah d'accord, donc elle est tout en haut d'un moulin. Très bien. Donc faut aller au moulin. Ouais. Voilà. Donc si je me rappelle bien, faut passer par là. Voilà. Ça, on a encore des traces de gadou en plus. Putain, en plus c'est une pirate. En plus c'est un piranha en plus. Ouais. Et là. Moi je les appelle plutôt les plantes carnivores. On se fait tirer dessus ou quoi? J'ai l'impression qu'on se fait tirer dessus. Danger, utilise mon aéropuce pour survoler la zone dangereuse. Bah de toute façon je suis déjà m'en servir de l'aéropuce. Voilà. Oula! Ah! Faut juste grimper tout en haut. Oula! Une pièce. Ah, les coins d'une fontaine peuvent faire mettre de l'eau. Là, c'est bon. Là, comme une fontaine, ça peut nous faire donner de l'eau aussi s'il y a de l'eau qui sort. Oh là, faut sauter encore plus haut avec l'aéropuce. Oh, c'est pire, il va falloir utiliser l'aéropuce pour faire un détour, pour le surpasser. Voilà. Si je parle à monsieur, ça fait quoi? Pourriez-vous nous aider avec cette créature à grosse tête? Vous êtes le seul à qui nous puissions demander un coup de main.
encore un M, ça veut dire qu'on peut tenir encore une pièce bleue. Ça en fait 5. On va devoir sauter sur ça. Attention. Hop. On va grimper jusqu'au moulin. Allez, monte ma gueule, monte. Il y a un trou. Il n'y a pas une pièce là-dedans? Non. Putain, on va devoir en faire, on va devoir grimper dessus. Oh la vache, comme on est haut. J'entends le bruit du soleil. Il est là, en plus c'est cette plante carnivore qu'il a. J'aime pas ça. Ah, on est tombé. Ah, ça, j'ai déjà affronté ce monstre une fois. Donc, je sais, lorsqu'il ouvre la bouche pour cracher de la boue, bah, il faut lui arroser ta bouche. Là, il va cracher de la boue. T'es sûr, il t'a apparaît, comment dire, des piranhas. Oh là! Je trouve où est-ce qu'il est sur le point de cracher, là. Et lorsqu'il a l'estomac rempli, sauf qu'on va devoir donner une charge. Où est-ce qu'il va cracher cette fois-ci? Là. Allez, recharge encore une fois. Voilà. Bram. On tourne autour de nous pour lancer Glow, regardez ça. Ouais. Et ça fait quoi ça en fait avec l'aéropuce? Ah bah c'est terminé. Et ah d'accord, je me rappelle, quand elle meurt, elle fait des vaporides en boue et puis la boue disparaît, il me semble. Ouais, j'en étais sûr. Et là, on obtient un soleil. Ok. J'avais pas remarqué. Il y a comment dire, comment on appelle ça, des racines qui dépassent en haut du moulin en plus. Ah, ça, quand même, ça fait beau comme ça. Ouais, bon, on ramasse le soleil maintenant. Ouais, le bug que ça fait. En plus, j'ai pas vu le bug que ça fait. On n'a même pas vu son visage quand il a pris l'étoile. Ouais, sûrement que... Faut dire que je suis doué pour faire les bugs. Oh là là. Bon allez, oh là là. Ouais, bon, on passe. Voilà, on y retourne. C'est quoi le troisième épisode cette fois-ci? Le secret de la grotte de la colline. Ah, ça j'ai déjà fait. Alors je me rappelle, il y a 2 ans quand j'ai fini le jeu, enfin 2 fois le jeu, eh bien... Je suis resté bloqué au moins 3 ou 6 fois de suite et en plus j'arrêtais pas de tomber. Mais maintenant j'ai trouvé la technique. Au moins je peux plus tomber maintenant. Je sais tout moi. Avant tout, on peut voir la plage des Finos là-bas. On est juste en dessous, comment dire, du port en plus. Ah d'accord. Allez! Moi je sais où est-ce qu'elle est la grotte. Tiens, il y a un mec qui est couvert de boue. Voilà. Qu'est-ce qu'il va dire? Pfiou, tu m'as sauvé la vie, merci 1000 fois. Ah, il nous donne rien quand on lui remercie. Bon, c'est pas grave.
Ça, il faut le sauter sur la tête, je pense. Aïe, même pas. Bon, c'est pas grave. J'aperçois la grotte là-haut. Donc, il faut sauter comme ça et monter. Voilà. Là, on arrive à la grotte. Quand on rentrera dedans, je vais pas avoir ma machine, donc ce sera comme ce sera pareil. Mais on se débrouillera sans ma machine, c'est pas grave. J'en étais sûr. C'est encore Bowser Junior qui me l'apprend, ce TFDP. On a le soleil. Ça, c'est le parcours qu'il faut faire. Oh là là. Entre les plateformes qui vont dire qui vont vers la gauche ou la droite. On saute. Deuxième, troisième. Ça le tourne derrière. Ah, ça, j'aime pas en plus. C'est super. C'est chiant en plus à faire. Hop. Ça, c'est ce cube qui bouge pas, donc on le saute dessus. Celui-là, non, il reste toujours ici, mais il descend et il monte. Celui-là, on va sauter dessus aussi. Voilà. Ah, ça, il va falloir accélérer. J'aime pas ça en plus aussi. Ok. Yeah. On y est. Oh non, les étoiles, j'aime pas ça. Les ferrons qu'on tombe pas. Voilà, c'est bon. Ah, j'aime pas ça, ça me fait peur. En plus. Allez, oh, on a une vie. Voilà. Notre soleil. Tiens, on avait l'impression qu'on flottait dans le triangle. Mais non. Notre 24e soleil. On retourne dans la colline bientôt. Alors, cette fois, l'épisode 4, c'est les pièces rouges du village. Ah ouais. D'accord. Donc, il faut tout ramasser les pièces rouges dans le village. Bon, bah, j'en ai déjà une. Oh putain! Première pièce rouge. On a une deuxième là. Bon, enfin, attends, je vous l'ai déjà dit qu'elle était. Deuxième. Troisième. Il me semble que j'en avais vu une en bas. Où elle est déjà? Allez là, voilà, c'est bon. Quatrième. Oh putain, faut les esquiver. Ça fait des choses qui font mal. Oh putain, le nuage. Voilà. Putain, ils font peur les nuages. Et de 6. Allez. Bon, plus que deux encore. Ah. Oh non. Encore. Esquive. Bon, plus qu'une. La dernière, je devrais savoir où est-ce qu'elle est. Attendez une seconde. Où elle est Je demande. Je sais où est-ce qu'elle peut être. Alors. Elle n'est pas là-bas. Je vais aller voir. Esquive. Tu croyais que t'allais me voir le nuage? Merde. Putain. Oh putain. Comment on fait pour grimper là-dedans, là-dessus? Ah, j'ai presque plus d'eau en plus. Et il y a ça. Ah non, elle est pas là la pièce. Où est-ce qu'elle est?
pourquoi je la vois, pourquoi je la trouve pas. Où est-ce qu'elle est la pièce? On va rester je pense une heure pour aller chercher cette pièce rouge. Ah voilà, voilà, punaise. Ah, en plus le soleil se trouve juste là-haut. D'accord. Ah, j'ai déjà presque plus d'eau. Je suis prêt à sacrifier presque toute mon eau, mais je veux pas mourir en plus. Tiens, justement, on a une caisse bleue. Alors, je vous ai pas dit, ça contient justement les l'aéropuce de la pompe à eau, donc... Il y a encore plusieurs types d'aéropulse, plusieurs types. À part l'aéropulse, je pense que je sais pas il y a quoi, mais enfin je sais plus. Voilà. Hop. Le soleil se trouve là-haut. Hop là. Et à nous le soleil. Et Bravisono, 25e soleil. Continuez. On retourne pour faire le 5e épisode. C'est quoi le 5e? Le retour de Flora Pierre. Rana. Oh non, encore elle! Oh putain. On va assister à son grand retour. Oh, il y a encore de la boue partout. D'accord. Oh, en plus, elle est juste... En plus, là, en plus. Elle fait la sieste. Oh là là. Et hop là. Donc, je sais... Je sais comment faire pour la réveiller, donc... Je vais avoir besoin de l'aéropulse et de l'autre version. Tiens, c'est encore une boîte encore, invisible. C'est un autre mode de la pompe à eau, mais pour l'instant, c'est encore qu'un hologramme encore. Alors, ce qui va se passer, je vais déjà commencer par mettre, pas l'aéropulse, mais ça. Je vais devoir remplir l'eau et le viser dessus pour la réveiller. Se réveille. On va devoir la mouiller. Les pompes semblent pas avoir d'effet quand il se déplace. Sérieux? Ah bah je comprends pourquoi est-ce que ça fait rien sur lui. Oh là! Je suis recouvert de boue maintenant. Ça y est, elle tombe. C'est le moment d'en profiter de la mouiller maintenant. Il a lancé une tornade. Oh putain. Oh là. Manqué. Où est-ce qu'il va cracher? Là. On passe à l'aéropulse maintenant. Charge au sol. Voilà. Elle prend déjà son envol. Oh, une plante carnivore. Où elle est? Là-haut. Elle nous tire dessus. Oula. J'ai eu. Non, tout le monde doit profiter que la visée sa bouche. Ah, la tornade! Elle crache! Charge au sol. Une fois que son ventre rempli d'eau, on met une charge au sol. Voilà. Elle prend encore son envol. Là, on va devoir monter là-haut pour l'arroser. Où elle est?
là-bas. Salut toi. Ça ne fait aucun effet. Fais-le contre elle. Voilà, on l'a vu. Oula. De l'eau. Attention à la tornade. C'est une... Mais d'autres bus d'aéropus, ouais, je connais ces trucs. Aïe. Je vais essayer de la contourner. Elle crache. Ah. Elle prend encore son envol. Où elle est? Là-bas. Le texte est encore une vitesse d'invention, il fait aussi. C'est encore un hologramme. Mais là, je suis occupé, s'il te plaît. On a l'impression que je parle tout seul. C'est encore la con qui m'est encore une explication. Où elle est? Ah, la voilà. Voilà. Et toi, tu ne vas pas t'échapper comme ça. Quand est-ce qu'il va se mettre à pratiquer la boue? Enfin, et voilà, c'est terminé. À la fin, elle s'évaporise et elle devient de la boue et la boue s'évaporise. Le soleil. Ben où est-ce qu'il va? Ah d'accord, il se met, il est là-bas. Aïe. Aïe. Notre 26e soleil est bravisono. Continuez. Retourne à la colline Bianco. Sixième épisode, c'est quoi? Ah, le secret du lac pollué. Ah, je connais cet épisode. On va arriver dans le lac et il sera pollué. Donc voilà dans quel état il est. Et il va falloir aller dans une petite caverne. On la voit d'ici. Donc je sais qu'est-ce qu'on va faire. On va pas passer par le lac. Pour éviter qu'on se salisse. Parce que lorsqu'on rentre dans le lac, eh bien, il se pourrait qu'on perde de l'énergie. Donc pour éviter de perdre de l'énergie, on va devoir passer par le chemin le plus long. Là. Voilà. On y est. On saute. Oh, il y a un nénuphar qui va nous servir. Ça peut nous servir de bateau, mais il n'y a pas beaucoup, donc vaut mieux l'utiliser. Attends, je sais c'est quoi. C'est une des machines qu'on peut utiliser. Vous allez voir, regardez c'est quoi. C'est le turbo boost. Ça sert à accélérer plus vite quand on est dans l'eau.
Il suffit d'enfoncer R et aussi qu'on accélère en mettant un coup de pression. Voilà, ça fait ça. Oh putain. Quand même, on perd de l'énergie. Aïe. On rentre. Ah, il me voit encore la machine, ce petit FDP. Le soleil. Ah non, ça je connais. Il faut du bon, il faut faire du long chemin, je vous le dis. On démarre d'ici. Ça aussi, j'aime pas ça. Donc, je vous dis, le faites pas parce que... Oh là. Voilà. Ah non, putain. Vies, plus que 5 maintenant. Comme ça. Voilà. Non ! Putain ! C'est pas grave. 5 vies, plus que 4. Voilà. Par là. Voilà. Une vie. Le cube. Gravé. Oula. Oh. Pas ça. Voilà. On grimpe. Ah. Ça aussi, ça se déplace. Une vie encore. Voilà, on y est. On est là au truc final. Oh non, ça j'aime pas ça. Aïe 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 aïe. Alors. Chaque fois qu'on change. Ok, on y est presque. Je vois le soleil en plus. On y est. Oh putain. On peut voir tout ce qu'on a parcouru. Oh, c'était chaud. Le soleil. 27e soleil. Continuez. Oh là. C'est fait. On retourne à la colline Bianco. Le 7e épisode, c'est quoi? Oh, l'anti-Mario en caravane. Ah bah, c'est encore le Bowser Junior qu'on va affronter. Hey! Allez, tiens, t'es où toi? Ah! Ah, il fait bien esquiver mes coups, lui. Ah, deux fois de suite, il me touche. Là, on l'a eu. Ah, je m'en souviendrai.
Ça va faire notre 28e soleil. Ravisono. Continuez. Cette fois, nous allons faire le dernier épisode. Je fais une pause, je reviens dans 5 minutes. Rebonjour tout le monde. J'étais parti régler quelques petites modifications sur ma manette. Ouais, juste une petite modification. Alors on va pouvoir continuer, donc on est maintenant à l'épisode 8, les pièces rouges du lac. Donc je pense qu'on sera, comment dire, dans... Non, on dirait que le lac n'est plus pollué. On va devoir ramasser encore on va devoir ramasser les pièces rouges dans le lac. Une pièce rouge là. On va prendre des nifas. Ok, la première. On a une autre là-haut. Ok, c'est bon. Voilà. Bon, on saute maintenant. Ok, bon. Non. Oh, ouais, c'est bon, il y en a une. J'en prends une. Voilà, c'est bon. Oh, j'en prends une. Esquive. Mettez les trucs cool. Oh non, le nuage. Esquive. Ah putain. Ah, je suis tombé dans l'eau. Non, pas ça. Il y en a une autre là-bas, j'en vois une. Ah, on est lent. C'est bon. Voilà, c'est bon. Oh merde. Voilà. Ah, je la vois, c'est bon. Allez, 2-5. Ah, oh, j'en vois une. Oh non, nuage. Attendez. Esquive du nuage. Oh merde. Vite dans les feuilles. Voilà, c'est bon. Voilà. Voilà, c'est bon. Ah, je vois les deux autres pièces. Je sais pas, les petites espèces de moulins qui sont sur les trucs, on dirait plutôt des éoliennes. Moi, je les appelle comme ça, les éoliennes. Hop, dans la corde. Oh. Ah, la voilà, là. Oh, cette pièce. La voilà. Oh, la dernière, elle est juste tout en haut, en plus. Voilà.
Esquive. On a loupé le nuage. Voilà. Oh, elle se trouve juste au milieu du moulin en plus. Oh, il y a une pièce bleue. Je vais la prendre. Voilà. Ça fait 6. Allons récupérer l'étoile maintenant. Hop là. Dans la main. On remplit notre réservoir d'eau. Voilà. Aïe. Par là. Je sens le... Oh non, le soleil. Le voilà, le soleil. Ravisono. 29e soleil. On continue. On a encore deux autres encore soleils à trouver. Et ça, je sais où il faut les trouver. Alors, on va aller sur le secret du lac. C'est là qu'on trouvera le prochain soleil. Même si cela on l'a déjà dans cet épisode, je sais où trouver le 9e soleil. Allez, on prend l'aéropulse. Bim. Voilà, par là. Voilà. Oh tiens, j'avais pas vu, il y avait encore une autre pièce bleue ici. Voilà. Hop. Bim. Ah putain. Putain, pas tombé dans l'eau polluée. Là, c'est par là. Ça y est, on y est. Putain, l'eau. Voilà, on y est. Donc ici, c'est très simple. Il suffit d'appuyer encore sur l'interrupteur pour ramasser les pièces rouges. Enfin, 8 pièces rouges. On voit déjà une ici. Hop. Une vie. On avait 1 minute 30 pour trouver des pièces rouges. Les pièces rouges. En voilà une. Une de plus. Ça fait déjà 4. Une vie. Une autre pièce rouge. Ça en fait déjà 5. Plus que 3 encore. Allez vite, on a encore 47 secondes. Les 3 autres, elles sont là-bas. Il y en a une là-bas. Oula, on a failli tomber en plus. Oula là 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 là. Quand on a plus beaucoup de temps. Vingt et un secondes, il reste. On a une au milieu. 7, plus qu'une maintenant. On l'a. Bon, plus qu'à aller au soleil maintenant. Oula, on a failli tomber en plus. Juste à 9 secondes, il nous restait. Oula. Bravisono, notre 30e soleil. Continuez.
Alors, le dernier soleil, je sais où il se trouvera. Ce sera ici. Non, pas ici, c'est là. Le secret de la grotte colline. D'accord. Hop là. Par là. Hop là. Oh là 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 là. On va prendre un raccourci. Voilà. Oula. Oh, comment je suis tombé. Voilà. Il s'est passé quoi? Tout d'un coup, j'ai arrêté d'envoyer Glo. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Oh là. Voilà, on y est. Donc on va continuer à ramasser des pièces rouges. Voilà, ramasse 8 pièces rouges avant la fin du temps. Impasse. On en a déjà une ici. Alors là, il doit en avoir 4 ici. Voilà. Il y en a deux dans les deux petites étoiles. Voilà. Et là, je pense que la dernière devrait se trouver encore dans une étoile. Ah, qu'est-ce que je disais? Et voilà le travail, notre soleil. Allez, allez, allez. Voilà. Neuf vies et le dixième soleil. Braviso, nos 31e soleil. Continuez. Ouais. Pas. Bon, eh bien, je crois que se termine l'épisode 5 qui prend déjà sa fin. En tout cas, j'espère que l'épisode 5 vous aura plu à tous. Donc, on se retrouve à tous dans une prochaine vidéo. Et j'espère au moins que je pourrai en avancer comme moi, je viens d'en avancer. Et je suis content qu'on ait fini, complété la colline Bianco, qu'on a trouvé tous les soleils. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous très bien. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me laisser des commentaires et aussi mettre un pouce bleu dans ma vidéo si vous l'adorez ou pas. Et je vous dis à tous, à bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien.